Axel. Oh, comment ça va, Axel? Ta gueule, ça va et vous? Ça va ou quoi? Axel, non, arrête, petite question arrête, simple, non. Comment tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Je vais dire ça va et vous, mais... Attends, vas-y, ouais. Je vais avoir 30 ans, mais tranquille. On a presque le même âge, t'as quel âge? Oh, 17 ans. Ok, moi j'ai 29. 30 ans. Arrête, ça va, pas encore, dans un mois les 30 ans, ça va, j'ai encore un peu de temps. Du coup, Axel, tu vois ce qu'on appelle le syndrome de Tourette? De Gilles de la Tourette, ouais. De Gilles de la Tourette. Parce que alors, c'est un mec qui s'appelait Gilles. Bonjour, ça, je... Du coup, c'est quoi le syndrome de Gilles de la Tourette alors? Mais en gros, c'est un syndrome. Arrête, Christa. En fait, auquel t'as. Excuse-moi, j'ai bégayé. T'inquiète. Christa. En fait, c'est quoi? Il y a des tics de langage et des tics corporels. Oui. En fait, c'est un. Ma mère, elle me l'avait dit, mais j'ai oublié. C'est une maladie neurologique, voilà. Ok. Bah, ça, je savais, mais j'ai oublié parce que sur le stress, tu vois. Ouais, t'inquiète. Arrête, toi! C'est une maladie neurologique avec des dysfonctionnements des quoi? Des neurones. Je l'ai dit, t'inquiète. Donc c'est une maladie neurologique dysfonctionnement au niveau des neurones. Non, oui. Ok. Et est-ce que... Auquel t'as des tics mouvements. Ok. Non, arrête, des tics vocaux, genre auquel t'as des raclements de gorge. D'accord. Tu cries, t'as des cropolalies, genre des insultes. Ok, d'accord, ok. Et des tics mouvants, genre tu mets des coups de poing, tu fais des doigts, des choses genre. Je sais pas si j'ai l'air de faire ça, mais... Bon, t'inquiète, on peut faire des doigts d'honneur si tu veux, t'es libre là. Sens-toi bien. Le syndrome Gilles de la Tourette, tu l'as depuis tout petit ou c'est venu avec le temps? Ouais, non. Pardon, c'est fatigant. C'est une maladie de naissance auquel t'as. Ça vient petit à petit en fait. Ok. Non, en fait, vu que je connaissais pas les gros mots quand j'étais bébé, tu vois. Bah ouais. Oui. Bah mes premiers tics c'était genre je faisais comme ça. Ok. Oh non, je léchais le sol, le parterre et tout. Ah ouais. Non, c'était un. Et je tournais en rond. Et d'accord, c'est des tics comme ça. Et forcément, en grandissant, il y a des gros mots que t'apprends à connaître et tout. Et là, du coup, il y a des gros mots qui sortent en fait sans que tu le veuilles. Je te donne un exemple. Imaginons chaise, c'est un mot interdit, tu vois, et ça serait une grosse insulte. Ouais. Je dirais que chaise. Okay. Parce que c'est un mot interdit, entre guillemets. Ah, d'accord, en fait, c'est tout ce qui est interdit que t'es amené à faire plus facilement, quoi. Non. Comme si nous, pareil, dès qu'on pensait à quelque chose ou une insulte ou quoi, on la disait directement, quoi. Ouais. Est-ce que c'est fatigant au quotidien ou pas? J'ai l'impression d'être immunisé à la gorge quand je crie, tu vois. Parce que je crie tout le temps, du coup, j'ai presque jamais mal à la gorge. Bah ouais. Mais sinon. Juste savoir si t'avais pas mal à la gorge à force de crier, t'étais pas fatigué à la fin de la journée. Des fois je suis fatigué, ça dépend du stress que j'ai eu et si je crie beaucoup. Mais ouais, sinon je suis beaucoup fatigué. La nuit aussi t'as des crises ou la nuit tu dors? Non, la nuit je dors. Ok, c'est cool. Je vais pas sauter, enfin j'espère pas. En tout cas, j'espère que maman ça arrive. Qu'en pense la maman? Non, c'est ouais, bon. Ouais, ok, donc la nuit au moins tu peux te reposer, t'es tranquille quoi. Comment tu t'es rendu compte un jour que t'avais le syndrome de Gilles de la Tourette ou comment tes parents se sont aperçus? On a bien remarqué qu'à un moment il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Je laissais le parterre du changeur. Ouais, c'est vrai. Et du coup, les parents ils sont peut-être inquiétés là-dessus, ouais. Du coup, on est allé voir un médecin. Je sais plus comment il s'appelait, mais de toute façon, j'ai pas lancé l'assemblage. Mais c'est surtout que c'est difficile de diagnostiquer un Gilles de la Tourette parce que c'est méconnu au niveau des médecins. C'est hyper rare. Non, et c'est surtout pas très connu au niveau des médecins ou des gens. Ah ouais, même les médecins, ils savent même pas, ils connaissent pas trop. Certains. Ah ouais. Tu voulais dire quoi, vas-y Axel? Rien. Je crois que c'est 90% de plus de garçons ont un bail comme ça. Ah ouais, plus de garçons que de filles, d'accord, ok. Arrête! Est-ce que le syndrome de la Tourette, c'est quelque chose qu'on peut guérir ou pas? Alors, comment ça se passe? Alors non, on peut pas le guérir, mais on peut essayer de le diminuer encore. Comment par exemple? À la majorité, on peut... le cerveau, il est un peu plus... Qu'est-ce que t'as? Du coup, ça diminue si c'est... Ça se diminue beaucoup ou moins, ça dépend de la sévérité du syndrome. D'accord, ok. Il y a aussi la stimulation cérébrale. D'accord, et du coup, toi, tu t'es fait opérer, c'est ça? Au niveau du pec? Au pectoral? Il y a un fil là qui passe. D'accord. Il y a deux électrodes, il y a deux bosses. Et du coup, t'as deux électrodes au niveau du cerveau? Non, oui. Qui envoie quoi? Ça envoie des décharges? Ça fait quoi? Ça stimule! Ça stimule le cerveau. Et c'est une pile qui est rechargeable. Et tu vois une différence? Sans la pile, je pense, je serais comme avant. D'accord.
que j'avais décrit un matelage où ah je ouais. me tapais comme ça sous la baignoire. Ah ouais, ok, ok. Ouais, arrête. Aujourd'hui, on peut dire quand même que tu vois beaucoup mieux qu'avant. Grâce à la stimulation et grâce à mes efforts. Du coup, ton opération, toi, comment ça s'est passé alors? Bah, je voulais être mis. J'ai mes tocs à moi aussi. Ok, l'opération. Bah, j'étais à l'hôpital, logique. Ouais. L'hôpital de la Salpêtrière à Paris. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. Non, et ça faisait très mal à la tête, mais après, je l'ai supporté. J'avais l'impression, pardon, c'est moi. T'inquiète, t'excuses pas. Non, arrête. Tu les sens un peu les. Non, bah, droit et tout, je l'ai. Ah ouais, on sent un petit peu, ouais. Et durant l'opération, j'avais l'impression que j'avais des trucs ici. Ah ouais. Ce qui est logique, mais. Ouais. Du coup, il a fallu supporter un peu ces trucs que t'as sous la tête, quoi. Non, bah, non, ouais. Okay. Surtout que si on tape là, j'ai très mal. Je peux pas faire comme ça, Kung Fu. Ah ouais, tu sens la pile là. Non, ouais, oui. D'accord, ok. Combien de temps ça t'a pris un peu l'opération et le fait d'aller mieux et tout là? Bah, non. Oh oui. L'opération a duré, je crois, 11h ou 10h. Ok. Oui, bon, je me souviens pas trop parce que. Tu dormais quoi? Non, bah non, oui. Ouais, qu'est-ce que t'as? Je dirais environ 2-3 semaines. Enfin, je sais pas vraiment, j'ai pas compté. Après, j'étais heureux parce que. Ça allait mieux après? Non, ouais, mais surtout parce que j'avais des invités qui venaient. J'avais le chouchou, c'est le copain à ma maman. Ouais. Il m'a ramené ça de la charcuterie. C'est trop bien, c'est trop bien. Je pense que pour toi au quotidien, c'est beaucoup de travail pour arriver à. Non, arrête, ouais. Excuse-moi. Ouais. T'inquiète, on est bien là. Tu connais pas les questions par cœur. Putain. J'ai pas assez travaillé quoi. Oh là 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 là. Du coup Axel, t'es en quelle classe là? Qu'est-ce que t'as? T'es en quelle classe du coup toi? Oh arrête. Je suis dans une école spécialisée, du coup on compte pas vraiment les classes. Ok d'accord. Ok. Non. Ah, y a le petit chat qui est content. Oui. Comment ça se passe dans la rue alors quand tu croises des gens? Comment ils réagissent les gens? Pardon, qu'est-ce que t'as? Il y a souvent beaucoup de regards négatifs, tu vois. Ouais. Direct négatif, c'est même pas des gens qui se questionnent. Bah, il y a souvent des gens qui se questionnent, qui regardent mais qui disent rien. Ok. Il y a aussi des gens qui sont pas méchants ni vulgaires. Ok. Enfin, pas vulgaires, mais genre. Soit ils s'approchent, ils disent pourquoi tu cries ou des choses en genre, tu vois. D'accord, ok. Et il y a eu des altercations par exemple auxquelles les gens ils veulent m'agresser. Ah ouais? Non, bah non, mais ça c'est. Voilà. Ok, ah ouais, il y a déjà des gens qui ont voulu se battre parce qu'ils pensaient que tu les insultais. Moi par exemple, chacun a ses problématiques de la toilette. Ok. Par exemple, moi je dis y'a quoi? Ah ouais. Du coup, il y en a, ils disent oh bah putain, lui il est mal éduqué, il a parlé du syndrome de la Tourette et tout. Ah ouais. Enfin, ils pensent jamais à ça, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, les gens ils pensent que tu veux t'embrouiller avec eux tout le temps, quoi. Ouais, voilà, exact. Tu peux te mettre aux arts martiaux ou au sport de combat. D'ailleurs, j'arrive à regarder une vidéo de toi aux arts martiaux. Du coup, j'étais prêt à faire comme ça ici, je crois. Ah ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui arrive à te calmer, toi? Depuis pas longtemps, quand je chante, j'arrive à me calmer. Et sinon, bah, les jeux vidéo ou. Non, arrête. Et quoi? Le cheval. Ah ouais, tu fais du cheval? Non, bah non, ouais, du thérapie du cheval, je sais pas comment on appelle ça. Ah! Équithérapie. Et ça consiste en quoi l'équithérapie alors? À monter sur le cheval. Ok! C'est une question débile, t'as raison. C'est des chevaux qui sont quand même dressés pour ça. Plutôt très tranquille. Non, ok. Effectivement, il apprend à faire l'équitation, mais surtout. Il fait de la voltige, c'est-à-dire qu'il monte sur le cheval et commence à faire de la voltige. Trop lourd? Okay. Non, ouais. J'imagine que le cheval ça peut être utile parce que tu t'occupes d'un autre animal et du coup tu dois te concentrer peut-être et tout. Quoi? Bah non, ouais, pour éviter de le frapper. Bah ouais. Des mouvements brusques ou genre essayer de le frapper. Ouais, sinon tu vas te prendre un coup de sabot après. Non, c'est surtout parce que j'ai peur de lui faire du mal. Oui. Ouais. Par exemple, vu que j'ai souvent peur de faire du mal en frappant, j'ai souvent peur aussi de faire la crinière et de faire trop mal, tu vois. D'accord, ok, ça apprend à te contrôler quoi. Non, bah non, ouais. La muscu ça pourrait aider, tu penses ou pas? C'est quoi avec la muscu? Ils sont pas assez gros. Qu'est-ce que t'as eu, putain? Du coup, Axel, toi au quotidien, est-ce qu'il y a des choses? C'est quoi le truc le plus galère à faire au quotidien du coup? Il y a entre guillemets deux parties. Ouais. Il y a avant, il y a longtemps et il y a maintenant. Ok. Maintenant, je dirais c'est marcher, aller dans la rue des changeurs. Aller dans les cinémas que je peux pas faire, tu vois. Ok. Et plein d'autres trucs du quotidien, genre. Te balader dans la rue, aller au cinéma, ouais, c'est des trucs un peu galères, quoi. Non, bah non, ouais.
Oui. Et avant, il y a longtemps, j'arrivais pas à mettre des chaussures. Ouh, j'allais en tongs à l'école pendant 7 mois. Ah ouais? Avec les tics, tu galérais à mettre les chaussures par exemple ou... Non, bah non, non, c'est juste que ça me gênait, même les chaussettes, j'arrivais pas à les mettre. D'accord, non. Ok. Et les lacets, une fois, j'allais à l'école sans lacets. Ouh, après l'étape que j'arrivais à mettre des chaussettes. D'accord, ok. Étape okay. Par étape, on y va. Dis-moi si je me trompe. Ah, mais je pense que comme aujourd'hui, tu as 17 ans, tu vois, t'as le côté crise d'adolescence, non. T'as les tocs, le Gilles de la Tourette qui se rajoute. Ouais. T'es un âge où t'as le cerveau, en fait, il a plein d'infos, il est au taquet. Bah non. Plus tu vas grandir, plus tu vas t'assumer, plus tu seras au clair dans ta tête. Et plus je pense que t'iras mieux, ouais. Je pense, ouais. J'espère. Déjà, on te le souhaite tous, déjà. On te le souhaite tous dans tous les cas. 17 ans, c'est vrai que c'est l'âge où tu te construis. Ouais. Et du coup, ça peut aller que mieux après, quoi. Bah oui, c'est sûr. Puis avec la muscu. Offre-moi des haltères Team Shape. Ok, tu m'envoies ton adresse, je t'enverrai un petit colis Team Shape. Pas avec plaisir. Avec plaisir, moi je rigole pas, avec plaisir. Ah. Est-ce que dans la vraie vie, t'as subi des moqueries des fois à cause du syndrome ou pas? Ouais. Bah, pas vraiment de moqueries, mais plutôt des. Des gens qui comprennent pas? Non, bah non, ouais. Ouais. Et les moqueries, ça va plus des enfants, des adolescents. D'accord, ok. Que les adultes, ils rigolent pas, tu vois, c'est pas des gamins, mais voilà. Ouais, bien sûr. Ok. Qu'est-ce que t'as, ta gueule? Est-ce que Axel, t'as déjà rencontré d'autres enfants ouais. qui avaient le syndrome du Gilles de la Tourette aussi? Oui. Ouais. Pas, il y a plus d'adultes que je connais. Ok. Quoi? Ouh, que des enfants. Parce que je sais pas en fait. J'adore quand tu réponds aux questions, c'est trop bien. C'est génial. Et moi j'ai une question importante. Du coup, il y a tes parents dans la pièce, mais du coup, avec les filles, comment ça se passe alors? Bah, c'est bon là. Il y a des parents qui regardent, ils peuvent se boucher les oreilles s'ils veulent à côté. Ouais. T'es tombé sur une fille un jour qui t'accepte comme tu es, ou alors pas encore? Je dirais que c'est déjà arrivé, mais sauf que. Le malaise. Que genre, je sais pas, son caractère ou autre chose me plaisait pas. T'as quand même rencontré une fille un jour justement t'acceptait comme t'étais. D'accord, ok, c'est cool. Et quand tu sors dans la rue avec tes potes et tout, qu'est-ce qu'ils en pensent, tes potes, tes amis? Qu'est-ce qu'ils en pensent alors? On en rigole et tout. Ouais. Et je trouve ça drôle parce que faut mieux en rigoler qu'en pleurer. Bah ouais, de toute façon, c'est clair. Et comment ça? T'inquiète. Comment ça se passe toi avec tes potes au quotidien? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah ils en pensent qu'ils s'en foutent, je sais pas. Ceux avec qui il est, c'est ceux qui l'ont accepté, on y a pas. Ouais. La maladie, elle pose quand même problème au niveau social. Les jeunes n'acceptent pas forcément. Il a 3-4 potes. C'est depuis très peu de temps qu'il sort maintenant. Ok. C'était difficile pour lui, il avait peur. Ses regards et ses agressions qui étaient systématiques. Là, ce qui est important, c'est que quand il sort, il est vraiment avec ses potes. Il s'en fiche finalement du reste. Il est vraiment avec ses potes. Il a ce côté brisé avec eux. Ouais. Parce qu'eux le connaissent, savent et vont pouvoir expliquer aux gens. Oui, expliquer aux gens, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, est-ce que tu oses, toi, sortir tout seul dans la rue? Je pense pas. Ouais, t'oses pas encore sortir dans la rue tout seul pour l'instant? Non. Ok. Peut-être dans le futur. Ok, voilà. Est-ce que tu prends les transports en commun pour aller à l'école, par exemple, ou te déplacer? Non, je prends que le taxi. Ok. C'est pas que je peux pas, c'est j'ai peur de prendre les transports. Ouais, t'as peur des réactions des gens. Non, je pense à venir avec le temps. Comme tu me le dis, il y a une amélioration par rapport à ça. Aujourd'hui, t'as 17 ans. Je pense que quand t'auras 21, 22 ans, au bout d'un moment. Ton âge, 30 ans. Voilà. Quand t'auras 50 ans, c'est bon, ça, tu passeras à la suite, quoi. C'est quoi tes divertissements? Qu'est-ce que t'aimes bien faire dans la vie? Jouer aux jeux vidéo ou chanter. Et je voudrais faire plus tard informaticien. Ok, c'est cool. Non. On a peut-être trouvé un stage pour la rentrée. Ok, trop bien. Niveau études, tu voudrais aller jusqu'où alors, toi? Je sais pas, en fait, c'est quoi trop les études? Maman! Pardon. Putain. Est-ce que tu fais des vidéos sur YouTube et tout à côté ou pas? Bah non. Ouais, j'essaye pour comment on dit? L'extérioriser. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Il a trouvé le mot, lui. Il est fort, hein. Tu fais des vidéos sur quoi sur YouTube, toi? Je vais poster mes chansons et je fais des vidéos. Enfin, je les ai tous supprimés, mais je vais en refaire, tu vois. Ok, genre quoi? Minecraft? Ouais, mais pas Minecraft. Non, mais je sais pas, mec. Des jeux vidéo, genre Overwatch. Ok, Call of. Non, j'aime pas Call of. Team Shape. Voilà, je t'y fais. On va mettre le lien de ta chaîne YouTube dans la description. Faut être actif, faut rendre combien de vidéos par semaine tu vas sortir? Attention, hein! C'est du boulot, YouTube, hein! T'en poses 3. Moi j'en fais 2 par semaine. Une vidéo par semaine à peu près sur ta chaîne? Ouais, je pense. Attention, hein! Ils vont voir les gens. Tu fais quoi ces vacances de Noël là? Je vais recommencer les streams sur Twitch. Ah, c'est cool, t'as une chaîne Twitch et tout? Non, ouais. Trop bien, on va mettre ton Twitch dans la description. Arrête! Si les gens ils veulent sub pour avoir plein de sous. Plein de sous, hein. Imagine, il y a des enfants qui vont voir la vidéo, tu vois, ou des parents. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire pour les rassurer? Et qu'est-ce que t'aurais aimé, toi, qu'on te dise avant? Bah que faut se battre. Pas avec les poings, mais genre voilà.
faut toujours garder l'espoir de qu'il faut s'accepter soi-même. Ouais, voilà. Et je pense que c'est bon parce que je suis pas trop discours, mais voilà. C'est très bien, hey, c'est nickel, c'est nickel. C'est... voilà, toutes les filles, abonnez-vous à la chaîne d'Axel, ouais, il recrute. Voilà, que des filles sur Twitch. Hein. Abonnez-vous au Twitch d'Axel, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête, juste ici. Regardez notre vidéo YouTube en cliquant là. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Au revoir! Au revoir!